Dans les vidéos précédentes, on a vu plusieurs exemples de réactions d'addition nucléophile sur les aldéhydes et les cétones à partir de composés azotés ou oxygénés. Ici, on va parler d'addition nucléophile sur les aldéhydes et les cétones à partir de composés nucléophiles carbonés, ce qui va permettre la formation de liaisons carbone-carbone très utiles en synthèse organique. Le premier exemple qu'on va voir, c'est si on ajoute à un aldéhyde ou une cétone du cyanure de potassium en milieu acide, on va former un composé qu'on voit ici qui s'appelle une cyanhydrine. Je vais l'écrire en dessous. Cyanhydrine. Et une cyanhydrine, c'est un composé dans lequel le carbone, ici, est à la fois lié à un groupe hydroxyle et à un groupe cyano, CN. Donc ça s'appelle le groupe cyano. Voilà. Regardons maintenant plus en détail le carbone nucléophile qui va intervenir dans cette réaction. Donc, si je dessine l'ion cyanure qui va être présent dans le milieu, donc l'ion cyanure, il a cette forme-là et la charge négative est portée par le carbone. Et c'est le fait que la charge négative soit portée par le carbone qui lui confère un caractère nucléophile et qui va faire que c'est ce double anion ion ici qui va attaquer le carbone électrophile de l'aldéhyde ou de l'acétone ici et renvoyer les électrons de la liaison pi vers l'oxygène. Donc la première étape de la réaction, ça va nous donner le composé suivant. Donc mon carbone central est lié à l'oxygène du groupe carbonyle qui a maintenant 3 doublets non liants et qui porte une charge négative. Il est toujours lié au R et au H si on est parti d'un aldéhyde. Et il a maintenant une liaison avec le carbone du cyanure qui est lui toujours relié à l'azote avec 3 liaisons. Si je suis les électrons, je vais avoir en orange les électrons qui étaient sur le carbone du cyanure qui sont intervenus dans l'attaque nucléophile qui sont maintenant engagés dans la liaison avec le carbone central ici. Et les électrons pi qui étaient dans ma double liaison du groupe carbonyle sont maintenant un des doublets non liants de l'oxygène ici. La deuxième étape de la réaction, ça va être la protonation de cet oxygène ici avec l'acide du milieu pour obtenir ce composé ici. Donc si je dessine les électrons, voilà, on va aller chercher l'hydrogène ici. Je vais dessiner un exemple de réaction de formation de cyanhydrine. On imagine qu'on part de l'acétone ici, qu'on va faire réagir avec le cyanure de potassium en milieu acide avec de l'acide chlorhydrique. Et donc, quel est le produit de la réaction que je vais obtenir? Eh bien, si je suis la formule générale que j'avais écrite au-dessus, je vais avoir mon carbone central ici, que je vais retrouver lié à la fois à un groupe OH, hydroxyle, et à un groupe cyano, CN, et qui va être lié aux deux méthyles que j'avais ici dans mon acétone au départ. Donc un méthyle ici, un méthyle ici. Voilà, si je regarde les couleurs, voilà, j'ai mes deux méthyles ici. Donc voilà le composé que j'obtiendrai si je fais réagir l'acétone avec le cyanure de potassium en milieu acide. Quel est l'intérêt de former des cyanhydrines? Eh bien en fait, c'est parce que le groupe cyano ici, on va pouvoir le convertir en d'autres fonctions chimiques de manière assez simple. Et donc les cyanhydrines, ce sont des intermédiaires de synthèse très utiles en synthèse organique. Voyons maintenant un autre exemple d'addition de nucléophiles carbonés sur les aldéhydes et les cétones à partir d'organométalliques. Alors un organométallique, c'est un composé dans lequel on va avoir un groupe alkyle qui va être lié à un métal, qui peut être par exemple le lithium. Dans ce cas-là, j'ai les organolithiens. Organolithiens. Et je peux avoir également ce type de composé où le groupe alkyle est lié à un magnésium, lui-même lié à un halogène. Et ça s'appelle un organomagnésien mixte, ou encore un réactif de Grignard. Donc je vais l'écrire organomagnésien mixte, ou réactif de Grignard, du nom du chimiste français qui les a découverts au début du XXe siècle, qui a obtenu le prix Nobel pour ça. Réactif de Grignard. Alors, ce qui est intéressant avec les organométalliques, c'est qu'on va avoir un carbone lié à un métal, et l'électronégativité du métal, elle est plus faible que celle du carbone.
Et donc la liaison va être polarisée dans ce sens. Et c'est le carbone qui va avoir tendance à attirer les électrons vers lui dans cette liaison et donc à porter une charge partielle négative. Jusqu'à présent, quand on avait travaillé avec les composés oxygénés, azotés ou halogénés, on avait le carbone lié à un azote, un oxygène, un brome, un fluor, qui sont tous des atomes qui ont une électronégativité plus forte que lui, et donc le carbone portait une charge delta plus. Il était électrophile. Et bien, dans les organométalliques, on va avoir les carbones porteurs de charge partielle négative et donc nucléophiles. Et donc, tout l'intérêt de faire réagir un nucléophile carboné avec un électrophile carboné, c'est de créer une liaison carbone-carbone. Et ça, c'est très utile en synthèse organique. Alors, voici la réaction générale de formation d'un alcool à partir d'un aldéhyde ou d'une cétone suite à l'ajout d'un organomagnésien mixte. On obtient donc un alcool dont la classe va dépendre du composé de départ si on est parti de formaldéhyde, aldéhyde ou cétone. Donc pour voir un petit peu le mécanisme de manière très très simplifiée, donc comme je t'ai dit, dans ce réactif, la liaison va être polarisée de telle sorte qu'au niveau du carbone ici, du groupe alkyle, on va avoir une charge partielle négative. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit on considère que ce sont les électrons de cette liaison ici qui vont réagir dans l'attaque nucléophile sur le carbone électrophile de l'aldéhyde ou de l'acétone, puisque je te rappelle qu'on a une charge partielle positive ici et une charge partielle négative ici, puisque l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, ce qui va entraîner le départ des électrons pi ici vers l'oxygène. Donc ça, c'est une première façon de voir les choses. La deuxième façon de voir les choses, c'est d'imaginer que cette liaison covalente ici, elle a un caractère ionique important. La polarisation de la liaison est importante. Et on peut imaginer que ce qui va réagir, c'est un peu l'équivalent du carbanion qu'on aurait si ces électrons ici étaient complètement vers le groupe alkyle. Donc le carbanion ici que j'ai dessiné, R second moins avec un doublet non liant. Et donc la deuxième façon de voir les choses, c'est d'imaginer que c'est ce carbanion qui réagit et ce doublet non liant là qui va attaquer le carbone électrophile. Au final, ça donne la même chose au niveau du produit de la réaction. C'est juste deux façons différentes de voir le mécanisme. Et ce sont deux façons très simplifiées de voir le mécanisme que je te présente ici surtout pour que tu puisses trouver facilement le produit de la réaction. Alors, que donnerait cette première étape? Donc on va avoir notre carbone central qui va être lié à l'oxygène du groupe carbonyl qui a trois doublets non liants maintenant et une charge négative, qui est toujours lié à R et à H si on est parti d'un aldéhyde, et qui va maintenant être lié au groupe alkyle R second. Si je suis les électrons, donc ces électrons ici sont orange ou violet, je vais mettre des pointillés, en fonction de l'hypothèse de départ, voilà, du type de mécanisme qu'on avait. Et les électrons de la liaison pi qui sont partis sur l'oxygène se retrouvent ici, voilà. La deuxième étape de la réaction, qui est forcément une deuxième étape faite de manière complètement séparée de la première, ça va être la protonation de cet oxygène ici, par mise en contact avec l'eau. Comme ceci, voilà. Et donc je vais obtenir mon alcool ici. Alors cette deuxième réaction doit être faite de manière totalement indépendante de la première, parce qu'un organométallique c'est une base très forte, pKa entre 40 et 60, et qu'on va avoir une réaction très vive et très exothermique avec l'eau, qui peut même être dangereuse. Donc lorsqu'on travaille avec les organométalliques, on est toujours en milieu anhydre, sous atmosphère sec, enfin, c'est très important d'éviter le contact avec l'eau. Donc ici j'ai écrit pour un organomagnésien mixte, on aurait pu faire exactement la même chose à partir d'un organolithien. Donc comme tu le vois, dans le produit final de la réaction, on a formé une nouvelle liaison carbone-carbone avec la formation de cette liaison ici. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de l'utilisation des organométalliques en synthèse organique. Alors, je te disais tout à l'heure que en fonction du produit de départ, on allait avoir un alcool de classe différente. Si on part du formaldéhyde et qu'on le fait réagir avec un organomagnésien mixte, on va obtenir le produit suivant. Donc j'ai mon carbone central qui va être lié à l'oxygène du groupe carbonyl qui est maintenant du coup une fonction alcool. On va avoir les deux H qui proviennent du formaldéhyde et maintenant
le groupe R qui provient de l'attaque nucléophile du réactif de Grignard ici. Et donc là, tu vois que le carbone qui porte la fonction alcool est relié à un autre carbone, et donc on a un alcool primaire. Si je pars d'un aldéhyde, dans mon produit final, je vais avoir toujours mon carbone central relié à un groupe hydroxy fonction alcool, un H du fait qu'on avait un aldéhyde, le groupe R1 qui provient de l'aldéhyde, et le groupe alkyle R qui provient de l'attaque nucléophile de l'organomagnésium mixte. Et donc là, mon carbone qui porte la fonction alcool est relié à un, deux autres carbones, et donc c'est un alcool secondaire. Et si je pars d'une cétone, tu l'auras deviné, je vais avoir mon groupe OH et mon carbone relié à R1, R2 qui proviennent de l'acétone et R qui provient de l'organomagnésium mixte. Donc j'ai un alcool tertiaire. Voilà, ça c'est utile à savoir quand on fait la rétrosynthèse. En fonction de la classe d'alcool qu'on a, savoir quel type de composé carbonylé on avait au départ pour cette réaction. Alors voyons maintenant quelques exemples. Donc le premier exemple, c'est celui-ci. On va faire réagir le butanal avec le bromure de méthyl magnésium dans une première étape, puis un ajout d'eau dans une deuxième étape. Pour ce premier exemple, je vais utiliser le mécanisme qui faisait intervenir le carbanion. Donc on peut imaginer, je vais remonter un petit peu pour faire de la place, voilà, on peut imaginer que ce qui va réagir comme nucléophile, c'est le carbanion suivant. Voilà, on imagine en fait que cette liaison est tellement polarisée, a un caractère ionique tellement fort qu'on peut avoir les deux électrons de la liaison complètement sur le groupe alkyle ici. Et donc c'est ce doublé non-ion ici qui va faire l'attaque nucléophile sur le carbone de notre aldéhyde et envoyer les électrons pi de la liaison vers l'oxygène. Et donc je vais obtenir dans une première étape le composé suivant, donc 1, 2, 3, 4 carbones, toujours mon H de mon aldéhyde, qui est maintenant lié à mon oxygène du groupe carbonyle qui a 3 doublets non-liants et une charge négative, et le méthyle de mon bromure de méthyl magnésium. Et si je suis les électrons, j'ai donc le doublet non-liant du carbanion ici, qui correspond maintenant aux électrons impliqués dans la nouvelle liaison carbone-carbone qui s'est formée, et les électrons pi, qu'on retrouve maintenant comme doublet non-liant sur l'oxygène. Et la deuxième étape, ça va être la protonation avec l'eau, et on va obtenir donc un alcool. Donc 1, 2, 3, 4, 5 carbones maintenant, avec un OH ici. Voilà, donc je suis passée du butanal au pentane de Hall. Voilà, donc je suis passée d'une chaîne carbonée à 4 carbones à une chaîne carbonée à 5 carbones, celle-ci provenant de mon organomagnésien. Et pour le dernier exemple, je ne vais pas écrire les deux étapes du mécanisme. On va imaginer que là, on va faire réagir la cyclohexanone avec le même réactif, donc le bromure de méthyl magnésium, et que ce sont les électrons de cette liaison ici, donc ça c'est la deuxième façon de voir les choses, qui vont attaquer le carbone électrophile ici, et envoyer vers l'oxygène les électrons de la liaison pi. Et donc je vais obtenir l'alcool suivant, donc j'ai toujours mon cycle à 6, donc avec une deuxième étape de protonation que je passe, avec sur ce carbone maintenant une fonction alcool qui provient du carbonyle, et un méthyle qui provient du bromure de méthyl magnésium. Je peux dessiner cette liaison en orange.